maman et de foi. Dieu, pardon, laissez-moi sortir. J'espère que je ne dérange aucune voiture. J'aime pas trop l'intersection. Vraiment, c'est un champ. Quelqu'un vient à vivre à nul. Bon, c'est dangereux. Bon matin, bon matin, bon matin. Comment vous allez? Bon matin, bon matin. Bon matin. Bon matin, bon matin, bon matin. Ouais, Seigneur. Moi, je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas souvent les directs de J. Remingo, non, parce que ça parle de politique et je ne m'y connais pas. Je vous dis sincèrement, je ne m'y connais pas. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. On a dit que tu ne fais pas la politique, elle va te faire. J'accepte. Mien, mes faits. Il faut que quelque chose soit fait aussi à quelqu'un dans la vie. Voilà. Donc là, j'accepte. Même ici au Canada, que je suis canadien, je ne connais rien de tout cela. Donc, c'est quelque chose que... C'est-à-dire que c'est un sujet que j'ai mis à côté. La politique aux politiciens. Point final. C'est mon point de vue. Maintenant, vous prenez ça comme vous voulez. Who's care? Maman, mais l'extrait que j'ai vu chez ma patouchou, là, pardon, envoyez-moi aussi l'extrait, non, c'est comment? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai dit que l'extrait que j'ai vu chez patouchou, là, maintenant, là, qu'elle grattait mes vitres de voiture, là. Et il a groupé le duo des Trimobés. Maman, il a fini avec monsieur Messan. Ya! Il dit que c'est pour ça que la diva est partie. Maman, le frère de la diva, là, c'est quelque chose. J'ai peint qui es-tu? J'y point. J'ai point Remingona, où y'en a où? Comme Deman nous disait toujours, où y'en a où? Maman, j'ai d'abord vu un poste d'Élise qui dit que elle s'adressait à M. Messan et au proxo pro masque. Vous êtes toujours derrière les femmes. Oh, machin, oh, ceci, puis mentir, puis man, oh, machin, ceci. Maman, allez parler avec les hommes. Ça vous dépasse. Vous êtes tout derrière les femmes. Maman, j'ai point à finir avec. Ce n'est pas les choses qu'on parle. Hey yeah. Hey yeah. Il a même donné les raisons pour lesquelles sa soeur n'est plus dans l'affaire. Maman, on peut faire ça. On peut faire ça. Hey yeah. On peut faire ça. Il a donné les raisons. Hein. Il a dit que sa soeur n'est plus là parce que, monsieur, ou c'est quoi, monsieur, mais ça n'était que ceci a fait que ma chère fatiguée, essoufflée. Je dis que yeah. Maman, c'est Lady qui a dit ça. La gueule. Non, j'aime les Camerounais. Quand un Camerounais s'assoit sur toi pour t'insulter ou pour te donner, c'est-à-dire que pour te recadrer, maman, il te donne ça en plein. C'est-à-dire pile poil. Je ne peux pas vous dire que j'ai le temps de suivre. J'ai vu que tout le monde disait qu'il y avait 20 000 vues, c'est 30 000 vues, c'est 50 000 vues. Maman, moi, je suis celle qui a 50 vues. Donc, par rapport, je ne cherche pas les vues depuis la nuit des temps. Mais j'avance en rang aligné sur mon couloir des maigres vues. Bon, le sujet. Bon, on parle du monsieur qui est décédé. Comment on appelle? Justice pour Zogo. Maman, la politique, je ne connais pas. On dit que c'est l'autre qui a tué, c'est pas l'autre. Moi, je ne me mets pas dans les choses que c'est compliqué pour moi. C'est-à-dire, quelqu'un m'a envoyé la vidéo de ce cadavre de ce monsieur. J'ai dit que pardon, ne m'envoyez plus ce genre d'image. Je choisis. Pas que, c'est pas que je veux voir mes enfants grandir. C'est que je ne fais pas la politique. Que ce soit Paul Biya, que ce soit Kamto, que ce soit Kabayele Dibir, que ce soit même la députée femme là qu'on avait dit qu'on ferme son entreprise de Jansan, n'importe qui, je m'en fous de ça. C'est quelque chose que j'ai lavé mes mains sur ça depuis longtemps. Depuis longtemps, ceux qui me suivent ça, même ici au Canada, quand on dit que c'est le vote, je reste comme ça. Même le débat des chefs, je ne suis pas. Pour vous dire, je ne suis pas le débat des chefs. Mais mes lèvres comme ça, fait comme ça, je dis ok, celui-ci, pang, je prends plus d'attention. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Je ne fais pas... Je fais rien d'autre que ça. Voilà. Vous comprenez, non? Maman, c'est comme ça que... comment je vais dire? C'est comme ça que, du coup, demain... j'y peux finir avec le duo. Le duo comment on les appelle, là? Le duo qui sont toujours derrière les hautes trousses des femmes, en train d'insulter les femmes. Parce que quand tu regardes monsieur Messan, il s'adresse qu'aux femmes de Facebook. La plupart, Tumpepe, il est sur les affaires des Tumpepe. Oui, les affaires des femmes, la plupart. Il ne prend pas les hommes comme lui. Quand tu suis Proxo Promas, même chose, il n'est que sur les femmes.
Voilà un homme debout. Vous allez dire que oh, il est ceci. Quand vous le critiquez souvent, la maman. Journaliste d'abord. Être journaliste, c'est facile. Parler orateur, machin, ceci, c'est facile. Il est d'abord venu. Monsieur Messarin est venu ici, dit qu'il faisait la paix. Monsieur la paix, qui devait faire le. C'était l'avocat, c'était la plateforme du tribunal avec le procureur. Le procureur, c'était mon grand Mike à Montréal. J'ai causé à Mike. J'ai dit à Mike, votre affaire est moche. C'est bancal, ça piétine. Ça ne tient pas la route. Ça s'est aussi arrêté au carrefour que boum. Vous pouvez relancer, hein, moi je m'en fous. Bref, parce que ce n'était pas. Le fondement n'était pas pur. Ça paraissait à l'œil nu. Quand vous venez dire que vous faites les choses pour essayer de ramener la paix dans la toile, sur la toile, il faut avoir une attitude et un esprit, n'est-ce pas, tempérant. Essayez de mettre de l'eau à votre vin. Vous êtes venu, vous étiez en train de faire de la siciparité, biparité, vous séparez les gens, vous étiez en train de choisir ceux qui font votre affaire. Et les trimobés, et les têtes triplement percées, et les têtes cinquantairement percées, et les. On a tous les noms qu'ils nous donnent ici sur Facebook, là, les femmes, quoi, quoi. Moi, je suis une femme terriblement mariée, saignée, quoi, machin, à fait. Mais elle m'en fout. Moi, elle m'en fout. Parce que, oh, les femmes qui souffrent dans leur foyer, les femmes qui n'ont pas mis. Jusqu'il a mis ses fauteuils de Noël, il a dit que ceux qui n'ont pas mis les fauteuils de Noël, c'est les gens qui ont passé le pipi Noël. Donc, quand on est sur Facebook, là, on a souvent venu poser voici mon Noël qu'il dépose, voici mon Noël, là, voici ma nuit d'hier, voici ma nuit d'avant-hier, voici ma soirée, voici mon matin. Adieu. C'est pas tout le monde qui choisit de vivre comme ça. Je peux tourner ici. Je peux tourner ici par où. Maman, j'ai point à finir avec vous aussi. Au lieu même de prendre l'extrait, vous envoie aussi à la reine. Mais puis vous croyez que j'ai le temps de sillonner, maman? Hey. Une journée de 24, ça ne me suffit même pas. Je vous dis là. Vous faites aussi, vous m'envoyez. C'est comment est-vous? Hein? Vous m'envoyez? Vous m'envoyez, moi aussi, je regarde. Moi aussi, je vois. Yeah. C'est comment est-vous? Dès qu'on a fini avec propre, propre de chez propriété, de chez prestance, de chez promptitude, de chez propriété, de chez prestance. Maman, le goût de ça. On a fini avec que boum, que boum, que boum. C'est bon à moi. Allez parler avec les hommes. Les yébli mal. Les gens de yébli mal qui ne peuvent pas parler de où est passé l'argent des contribuables. Des investisseurs. Vous ne pouvez pas les rassurer. Vos directs devaient en partie avoir 5 minutes de rassurance pour ces gens-là. Parce que vous dites que votre agent là qui est dans les papiers, dans Facebook, là, votre agent de la machine là, va se réveiller un matin pour acheter peut-être les choses dans les boutiques entre vous, les liens, les malheurs. Vous pouvez rassurer ces gens-là chaque jour. Un petit message, oui, ne vous en faites pas. L'agent est là. Et je sais pas moi, un petit message chaque temps, oui, ne vous en faites pas, l'argent part, l'argent revient, c'est monté, c'est descendu. Attends, je vais aller tout droit, je sais pas, parce qu'ici là, je pense qu'on peut, je vais me mettre ici, pardon, excusez-moi derrière moi, je me mets ici, c'est comment, ça n'a pas écrit qu'on ne peut pas, non, je me mets ici, j'ai pas de place là-bas, s'il me donne le ticket, j'ai dit qu'il venait. Travailler ici dedans. On va aller contester le ticket là. Tchéo. Je vais ici. Trouver le parking là-bas. Au parking. Les employés, c'est souvent difficile à parler. Je vais même ici. Bon. Alors, c'est ça. Monsieur J. Remingono, vraiment merci. Merci parce que c'est duo de Trimobé. De tête percée. De quoi là? On nous appelle ça. On a des injures là, je vais faire ça. Ouais, Seigneur, c'est chaud. Zoukembe, Zoukembe, maman. Je ne vois pas vos commentaires. C'est que vous commentez. Je sais que vous commentez, mais je ne vois pas. Il y a des directs comme ça. Moi, je ne sais pas le matin. Zoukembe décide que je ne dois pas voir les commentaires. Fait comment? Je ne vois pas. Prends quand même mes lunettes de soleil. Parce que j'aime pas regarder la neige. Ça me fait les yeux, genre. Ça me les yeux deviennent, parce que le blanc de neige quand le soleil frappe dessus, c'est écarlate, ça fait, en tout cas mes yeux deviennent je sais même pas quoi là, on dirait que je, non, ça me détend pas. Voilà, j'aime mettre les lunettes de soleil quand je regarde la neige, je suis, voilà, c'est la maman, monsieur l'essence, c'est la maman, la femme cernée avec les poches de l'essence. C'est moi qui ne dors pas, il dit qu'elle ne dort pas.
Ouais, Seigneur. Donc, si on a les poches de naissance, qu'on dorme, que ce soit le matin, que ce soit le soir, on a les poches. Maman nous insulte qu'on ne dort pas. Eh, Seigneur, aidez-nous. C'est chaud. Alors, c'était la maman de l'heure juste. J'étais juste contente de la sortie de Monsieur J. Remingonon. Merci le journaliste, parce que voilà, un journaliste, c'est un orateur, c'est celui qui sait aligner ses mots. Lui, ils font des erreurs. On dit que celui qui est décédé, Monsieur Zogo, a dû dire des choses. Moi, je ne sais pas, c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Mais les journalistes aussi sont quand même exposés, hein, parce que voilà, ils vont dire un truc et puis ça risque de leur porter préjudice. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de journalistes qu'on a licenciés parce que... Il y a plein d'histoires de journalisme là, tu sais, bavarder là, c'est pas facile, hein. S'asseoir sur le net, parler. Parler là, ça te crucifie des fois, ça te met dans le problème des fois. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon mardi. C'était la maman, la femme la plus pochée, la seule pochée de Facebook, qui a les poches jusqu'à ce que M. Bessar l'insulte, qu'elle ne dort pas. C'est moi, de naissance, voilà, et qui va rester comme ça jusqu'à la vieillesse, parce que ça arrive. Vous avez compris, non? Mm-hmm. Bisous, bon mardi. Je sais pas ce qu'est mon horaire. Peut-être je vais revenir en direct. Alors, s'il y a l'extrait, pardon, envoyez-moi une pause aussi, non? C'est comment? Je vais aussi poser la partie. La personne, il a lavé. Il a parlé de sa soeur, la diva. Il dit que ma soeur est partie parce que tu étais... Hey, maman, on peut dire ça à quelqu'un. Maman, c'est le frère de la diva qui dit. Hein, donc, on ne sait pas ce qui a été dit. Ouf! Facebook, c'est le, j'ai dit quelle la dimension. Je salue Prézia, mon particulier, un salut particulier à cet homme charismatique. Franchement, Prézia, ton attitude m'éblouit, ça me wanda. Je suis souvent comme sidérée parce que ton silence, ton calme olympique me plaît. Lui, hein, vous parlez, lui là. Jaguar, vous faites une danse, mais depuis le deuil, elle ne danse pas. Mais bientôt, hein, Jaguar, tu nous recommences les danses, ma petite sister. Ça ne chauffe pas. Le reste, c'est du vent. Vous avez compris, non? Le vent, ça souffre comme ça, vous, et on s'en fout. Bisous, hein. La maman, la femme au rouge à lèvres, pas de fond de teint, pas de rien, juste son rouge à lèvres et ses lunettes. Puis c'est fait, et elle est belle, elle s'aime.